Nous avons l'impression qu'on bagay kap préparé, qu'on bagay kap cuit sous dos Haïti. Gagné en pile disposition que divers pays dans moment là prend vis-à-vis de ressortissants. Pendant que ministre justice Emily Prophète Milsé qui chita sous même table avec chargé d'affaires AI américain et extrêmement madame là, li lance un SOS pour paysan, pour la justice, pour la police, côté que l'a sollicité aide pays entre guillemets qui dit aux ses amis haïtiens. Eh bien, États-Unis pas bon côté pal décidé rapatrier rapide vite tout citoyen américain qui dans pays. Yo l'autre bon nous gè pays voisin nous, République Dominicaine, qui prend ensemble de décisions là qui impact qui a bien gros impact sous l'économie haïtienne. Nous prenons le barou détail, nous prenons analyser situation yo ensemble, nous prenons poser problème yo ensemble pour nous arriver porter des pistes de solutions. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est, m'espérez nous en forme, m'espérez nous parer pour émission. Jeudi, c'est jeudi 31 août 2023. Et yon mois août tête chargée, m'espérer ou t'es passé un très bon mois août. Et dès pour pas frapper tête zote, ou depuis femme ou t'es safe, ou on seul bagay pou di, nan sor kwaya, remercier bon Dieu parce que ou vivant toujours. Et nan moment là, et nous gen pile zami et Floride, nous gen pile zami Caroline du Sud, et qui touché par ouragan Idalia. Et nous espérons le plus rapidement possible que le cyclone a quitté le pays États-Unis pour la vie continuer. Donc, ou même les amis qui, dans ce moment-là, le cyclone li tout chaud, nous pas attendu, nous fait nos signes pour nous connaître que tout bagaille en forme pour vous, pour nous connaître que tout bagaille en forme pour la famille. Donc, c'est extrêmement important. Et avant même nous rentrer dans l'information, il faut que je prenne un petit temps pour parler de projet rentrer des classes. Et mes amis, projet a un pile promesse sous tête, li, mais véritablement, nous plus loin que nous plus près. Et ou même qui décide que vous participer avec nous dans le projet qui te fait nous promesse, et très bientôt, demain, là, c'est 1er septembre, même le nous pas réaliser projet a. Et pour réouverture des classes, c'était maintenant fin septembre. Il faut nous réaliser jusqu'à présent dans tout promesse. Il y a seulement 3 amis qui honorent les promesses. Donc, ou même, qui promettent un bagage pour nous aider à nous aider à là pour rentrer l'école, pour nous bailler quelques matériels, quelques équipements scolaires. Pas hésiter, prendre contact avec nous 3896, 3819 pour nous réaliser les projets si là. Et bon. Bouk chaje, j'ai pas campé non, nous braler oui. Et si vous abonner à la chaîne là tout pas hésiter à abonner et toujours songer activer petite cloche de notification. Malheureusement et nous pral rentrer dans le mois septembre là, son mois tête chargé. Son mois côté que en pile famille courir quitter la caillou, en pile parents, en pile famille divisée, papa en bas, maman en bas, petit en bas. À cause gang, à cause bandit. Donc là, il n'y a pas un secret pour personne haïtien. Il n'y a pas un secret pour pièce haïtienne. Et pas du monde pas connaît que le pays d'Haïti, dans ce moment-là, il n'y a pas dirigé. Nous n'avons pas qu'être nègre, nous n'avons pas qu'être bourreau dans tête l'État, nous n'avons pas qu'être nègre avec femme. Et qui seulement kembe un ministère en otage, qui kembe un fonction en otage, yo ministre, yo directeur général, yo secrétaire d'État. Yo kembe fonction en otage pour yo faire l'argent, continuer faire l'argent plein poche et jamais en mesure pour yo porter satisfaction avec besoin population. Et bien depuis quelque temps là, CSOS k'ap lancé. Que ce soit dans centre-ville Port-au-Prince, moun Kafoufeuille, moun Turjo, moun Debussy et moun Bois Patate k'ap lancé SOS pour bandi pour gang. L'opre commune Pétionville, c'est même bagay là. Moun Pétionville, moun Torsel, moun Tabor, moun Meyot kap lanse SOS pour gang. Ou ale, ou décide wap fè Delma kounye ya, Delma kout bal fè mikalou, bandi ap tire, bandi ap terrorize population. Nan j'ai toute autorité,
manger tout soi-disant zanmi Haïti yo qui gagne représentation diplomatique yo en Haïti, qui gagne ambassadeur yo là, qui gagne consul yo là, qui gagne chargé d'affaires yo là. Tout moun la, tout moun ap gade, tout moun ap vive sa kap pase an dedan peyi an nan mouman la. Eh bien, genyen mini justice ak sécurité publique lan, Emily Prophet Milse. Madame Milse, nou toujou wè an Haïti, jan autorité yo toujou pran plezi pou yo al resevwa edon, pou yo al resevwa aide, repran, pou yo longe men yo, pou international lan, pou swadizan peyizan mi yo depose kishan nan men yo. Et bien gros flotte de véhicules qui vini pour PNH en même temps avec 6 blindés et nous t'ai acheté dans mes pays Canada dans une casse et entreprise et bien yo a vini dans moment là tout bagaille yo a coordonné dans l'idée pour permettre à PNH pour faire face à gang pour faire face avec bandi mais ça nous pas comprendre pendant que pays ça yo qui dit yo ses amis Haïti yo pare pou yo bay PNH an coup de main. États-Unis dès pour échanger d'affaires là, dès pour un représentant américain a parlé, yo toujours vanté quantité millions. Yo mette disponible pour aider PNH pour accompagner policiers pour yo cap performant pour yo cap bay pi bon résultat. Et au final pour quel résultat? Au final, résultat c'est qui s'allie ou bon mini justice. Qui lui même a coordonné toute activité PNH de concert avec premier ministre leur chita sont en même table avec représentant États-Unis pour demander aide pour solliciter un coup de main et puis pral ouais c'est même représentant américain ça à travers ambassade américaine qui a demandé tout concitoyen tout citoyen américain qui sous sol là là c'est bot nous fait mal nous quitter pays aller. Nous ka comprendre que oui États-Unis gen souci pour protéger citoyen qui en Haïti pour veiller à bien-être citoyen qui en Haïti parce que dans moment là visiblement situation compliquée en Haïti mais si on regarde de très près réaction changer d'affaires là qui yo même yo dou yo paré pour accompagner la police investir dans la police c'est comme si investissement yo fait yo connaît c'est dans de l'eau yo fait yo connaît investissement yo fait pas porter résultat pas porter rien de bon l'argent yo mette dans la police là machine yo bay tout ça yo dit yo fait comme encadrement pour PNH yo mette dans tête yo ou comprendre c'est comme si c'est corps à fait parce que Jean Bagay là yé là nous gon DG la police qui dit que yo prend toute disposition pour contrecarrer gang pour contrecarrer bandi non seulement nous est bandi yo. Pendant que PNH a parlé, DG la police a parlé, gang yo même yon pose action. Et c'est ça nous besoin, c'est ça n'attend. N'attend que pour autorité en dedans pays yo suspend parler, yo suspend blabla pour yo sorti dans parole là pour yo faire action. Et si t'es une action qui t'est faite véritablement journée jodi en la pays en pas ta côté lier. Journée jodi en ça qui t'est passé samedi 26 août dans canal côté un groupe haïtien, un groupe fidèle protestant, qui gagne en tête, li on leader religieux. Marco Rezido, pasteur Marco, pour un paquet de fidèles, direction Canaan, pour aller croire, pour aller démettre les gangs, pour quand tu te moun qui mourit jour et jour, bagay la patap jam passe, la patap jam rife. Et bien, qui sa bagay la yi? Comme Haïti, c'est territoire perdu. Comme Haïti, c'est gang qui a fait la loi, c'est la loi du gang, la loi des bandits, c'est salié. Eh bien, dans le moment où on a parlé à la, que te la police, que te la justice, yon pas en mesure pour yon même un bilan partiel de qui quantité fidèle protestant qui perdu la vie, yon qui massacré en bas mes gangs, en bas mes bandits canarans. Eh bien, pendant que ces nèg canarans yon qui te appuyé sous des tentes, qui t'a tiré, qui t'a massacré, qui t'a boulé, qui t'a praché avec manchette fidèle l'église pasteur Marco. Yo. Gros fixation qui fait sous pasteur Marco pour la police chercher, mener by la justice besoin d'elle, des CPJ besoin d'elle. Eh bien, j'en ai gardé avec moi là. Eh bien, il y a une note de formation que des CPJ publié et que Radio Télé Métronome yo relayé, côté que des CPJ
via BAC, qui c'est bureau affaires criminelles, invité vendredi 1er septembre, pasteur Marco Relzidor, plus connu sous le nom de Marco, pour lui répondre à l'invitation que yo fait. Et pasteur Marco a gagné pour l'accompagner de trois hauts responsables dans l'église, qui c'est Abia Bernardo, Midland Montas avec Jonal Louisin. Dans ça qui vient pour eux, avec invitation précédemment que Marco a décidé, le commissaire gouvernement Kwade Bouquet a été invité lundi passé à pas mettre pied, eh bien, DCPJ, bureau affaires criminelles en dedans de DCPJ, invité pasteur Marco pour lui répondre à quelques questions. Fixation ça qui gagne journée jeudi en sous pasteur Marco pas gagne la police nationale prend grande disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons coqué une chaîne mariage population avec la police fait. Ils ont lancé opération bois calé wash maman gaillé caca bandi. La vie yo. Des compatriotes qui victimes. Oui, fuck la justice, oui, fuck la police, enquêter et partager responsabilité yo. Ou même qui a gardé, ou même qui attendait, dans dossier massacre que Jeff Canaran, que Bandi Canaran yo, fait sous fidèle pasteur Marco yo. Est-ce que c'est seulement pasteur Marco qui gagne responsabilité ya? Est-ce que c'est seulement
l'église évangélique piscine Bethesda, ou responsable dans l'église qui gagne responsabilité, hein? Puisque c'est eux-mêmes qui t'ont initié mouvement, qui t'ont initié machin. Est-ce que Jeff Canarac bandilio qui t'a tiré, qui t'a pressé sous des têtes là, qui t'a mis gros enfants froid dans main yo, qui t'a mis manchette dans main yo, qui t'a mis gasoline à cali mettre quatre mettre dife tout vivant. Soit haïtien pareil yo, est-ce que yo même tout yo pas une responsabilité dans ça passé a? Parce que comprenez bien, nous pas vinn dédouaner pasteur Marco de aucune responsabilité que le gagne. Oui, faut que la justice tendelle, oui, faut gagner disposition qui prend. Ça nous clair sous lui. Mais cependant, si la vie moun sa yo massacre nan Canaran, fidèle pasteur Marco yo massacre nan Canaran, si autorité l'État, si l'État pays nous te prend la vie moun au sérieux, même pour une fois depuis l'air réel monte dans tête pays a monté sous pouvoir, yo t'a dit bon, c'est bon moment pour attaquer gang Canaran. C'est bon moment pour nous démanteler les gangs canarans qui pourraient le permettre que les gens qui vivent dans une zone sous ce matelas tout ralent souffle, les gens qui ont besoin de faire et rentrer dans notre pays, ils ont tout ralent souffle avec les bandits. C'est un bon moment parce que un groupe de gens, un groupe fidèle protestant, un groupe haïtien que les bandits volontairement massacrent, ils font vidéo, ils font propagande, ils ont tout ralent souffle, ils ont craché les gens. Et puis, en bas, j'ai toute autorité, nous croisons les bras, nous ne faisons pas rien. Nous pas prendre aucune disposition depuis l'air même une photo de Jeff Canaran yo pas publié pour yo mettre à vidéo changer Jeff Canaran pour yo ta dit à plage Interpol si toutefois Jeff Canaran ta gain intention faire ti quitter pays etc. pour barrer Jeff Canaran pas aucune disposition prend mais toute fixation c'est mako et nous prale plus loin gain disposition qui apprend pour fermer l'église pasteur Marco nèg yo yo prendre quoi yo là pour fermer l'église pasteur Marco comme Marco li boude lundi passé à invitation que commissaire gouvernement quoi les bouki a te fait parce que Marco était clair li dit pour le vini fuck Jeff vini tout et qui est-ce qui va chercher Jeff pasteur Marco t'a pas chercher Jeff échec total qu'il y a ce job la police pour chercher Jeff. Dans la vidéo, Jeff assume toute responsabilité. Dans ce qui passe, dans le massacre qui fait Canaran, Jeff avec tout gang, tout bandit pareil, il a accepté de massacrer un groupe fidèle dans l'église pasteur Marco. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ce moment-là, toute fixation, c'est Marco seulement. Donc ça montre que nèg sa yo ki di yo se chef yo se dirigeant de dans pays yo nèg sa yo yo pa vini pour yo résoudre aucun problème yo pa vini pour yo fini avec gang avec bandi vrai et visiblement noue si nan pouvoir l'état pa gen gang pa gen nèg ki t'ap supporter gang pa gen nèg ki t'ap kore gang ki t'ap kore bandi bandi yo pa t'ap puissant comme ça. Bandi yo pa tap défier la police, bandi yo pa tap ridiculiser France LB. Moi m'a dit France LB ça honnêtement, ou pas besoin tann. Ou pas besoin vinn tann, c'est réunion Ariel pral faire yo chita au conseil des ministres et puis pour al révoquer ou. Pour s'en tout humilié. Ou pas besoin quitter c'est humilié nèg humilié là. Ou gen t'a passé 2 ans fait preuve ou assez. Ou passé 2 ans bénéfice du doute là, ou te ba ou là c'est là. Ou te gen assez temps devant pour montrer bandi ou pas vinn jou pas vinn rancer c'est bandi ou vinn traquer c'est gang ou vinn traquer mais en 2 ans sérieux ou pas faire rien ou pas faire rien moun a mouri moun a tombé gang ak prend terrain et journée jodi an là nous admettre que Haïti majorité non majorité côté dans zone métropolitaine dans aire métropolitaine et Port-au-Prince c'est question bandi c'est dans même bandi lié c'est gang qui a géré c'est gang qui a fait la pluie le beau temps là-dedans nous d'accord volontairement nous prenons pays nous diviser nous marcher les petits territoires gauche territoire à droite non mais tel gang non mais tel groupe bandi etc. volontairement si pays ça c'est pas gang qui t'a dirigé c'est pas bandi qui t'es dans tête lui qui t'a prendre décision. Nous pensons que le problème n'est pas résolu. Le problème de sécurité n'est pas résolu. En 200 millions à 400 millions de dollars américains, yo dou que les Nations Unies ou bien les États-Unis yo estime que et une force multinationale a coûté Haïti par mois. En 200 à 400 millions de dollars. Combien de PNH a besoin pour le camper, pour acheter bon équipement, bon matériel?
si nous gagnons 1 milliard, si nous avons 800 millions de dollars américains, il va pas petit PNH. Mettez l'argent ça disponible demain matin là pour acheter équipement, pour acheter matériel. Francel B, est-ce qu'il y a toujours une volonté pour résoudre le problème là? Est-ce qu'il y a une volonté pour aller traquer ISO, pour aller traquer Tilapli, pour aller traquer Vite l'homme, gang 400 Marozo, pour aller traquer Nexayo? Une volonté hein? Donc on va obliger continuer à prendre des faits, à cumuler des faits. Nous annoncer dans commencement année janvier, nous annoncer opération Tornade. Vite l'homme comme réplique li ba nous descend peigner crase plate sous commissariat peigner. Qui ça nous dit la police annonce Tornade, vite l'homme bay goudou goudou. C'est comme ça nous te wè bagay la. Et jouk nan moment n'a parlé à la opération Tornade lan c'est passé là font un image arrête un paquet de jeunes femmes jeunes garçons et puis au dou que voilà la police a mis des vidéos dehors c'est propagande c'est pas job PNH pour nous faire propagande job nous c'est marrer bandi traquer bandi éliminer bandi c'est ça job la police hein. Donc malheureusement pour Francel B moi même dossier Francel B avec PNH m'pa m'font quoi sous lui pour moi PNH pas gagne déjà là-dedans. Honnêtement pour moi PNH la police nationale d'Haïti dans moment là elle pas gagné chef il pas gagné DG ou montre son incapable ou montre son menteur bluffeur c'est ça nous dit nous mener opération n'a faire consolidation dans Kafoufeuille et si population t'es au moins remettre confiance dans nous-mêmes t'es au moins bail autorité en dedans pays on ti cal crédibilité dans parole yo. T'as bon l'autre massacre là avant hier. Après elle me fin parler, elle dit tout bagaille sous contrôle. Tout bagaille sous contrôle, oui. Dans Kafoufeuille. Et puis qui ça bandi grand avenir fait au monter, y a le prend sous commissariat ça vend pistache. Yo mette du feu, fait vidéo, comprenez? Souffleté PNH, souffleté déjà la police. Pas un petit mot d'excuse, pas un déploiement qui fait pour le traquer. Bandi yo nan savane pistache, par un petit déploiement qui fait pour traquer gang yo et nan grand ravine, pa gen yon eksept. La wap kopren qui est qui vrai gang yo, wap kopren que jounen jodi an nous même haïtien qui a viv en Haïti et nous c'est nous même y a traqué, c'est bête nous y a traqué, nous considérer nous comme bête comme poids yo, y a traqué nous, y a touyé nous. Ça y a fait avec exterminer haïtien au profit de qui est-ce que plan est-ce que objectif nèg yo atteint là pour mettre pays en tête en bas imagine des séries de malheureux malheureuses dans tabac dans torsel vite l'homme fait courir en bas coup de balle moun yo al prend refuge tendez bien moun yo al prend refuge et dans lycée Jean-Marie Vincent dans Carade bandi vite l'homme yo débarqué devant lycée a ouvert coup de balle. Bon jeune garçon qui relé et pouchon qui blessé par balle. Moun yo kouri kite kayo pou bandi, ou yal pran refuge en lycée. Yo vini devant lycée a yo ouvert coup de balle nan barrière. Si yo ouvert coup de balle nan barrière avant hier soir. Imagine yo ka un bon matin yo dou yo débarqué là yo ouvert barrière yo rentré. Yo touye moun yo massacre parce que c'est massacre nèg yo vle faire, c'est massacre nèg yo besoin faire dans pays. Moi m'ta parlé avec 11 ami qui t'a dit, journée aujourd'hui, Jean Bagaille en Haïti, même sous Duvalier qui ton dictateur, oui, sous époque Duvalier, dictature, oui, bah, il n'y a pas de comme ça. T'es un Zinglindo, Zinglindo, c'est des séries de bandits qui qu'on a opéré l'ennui, par peur, représailles population, bien pour y'a pas arrêté, etc. Journée aujourd'hui, là, nous avons des bandits, gros la journée, alors que gagne. Gen BLTS, lèv nèg vite l'homme yo décide yo débarquer tabac là. Yo gen BLTS tout près yo. Yo gen DCPJ pas trop loin yo. Yo a opéré 2-3 machines, 2-3 pick-up débarquer gros âme fois une fois nan men yo, y a pouvè coup de balle. Yo campé là 2-3 heures de temps a pouvè coup de balle. Sans réplique. Pas aucun moun qui riposte avec yo. Alors ce que le dou sous époque du Valier Zinglindo sa yo. Si yo arrête on Zinglindo, si on arrête un Zinglindo, il y a bien suivi qui fait. Li font un crime. Au moins, te gen principe qui te édicté. Au moins, te gen la loi. Au moins, te gen justice. Yo a besoin ni a traquer. Il y a besoin ni quand même. Je ne dis pas la gang yo. Bandi yo, c'est en dedans. Appareil justice yo caché. Pour la plupart. Pour la plupart, bandi légal yo, c'est en dedans justice yo.
gang ak sa patio yo gen l'argent pour yo payer yo gen moun yo gen boss yo ki nan l'état kou mare youn ou André Tore Laura son papa la gèl mwen gère ça pour moi m'ap gère son baye konsalye n'a fait pays pas fait pays nous pas fait pays et par rapport avec situation ça gen pile disposition que en pile l'autre pays a prend contre Haïti nous gen pays voisin nous là République Dominicaine et bien dans moment n'a parlé en là République Dominicaine décidé et pour le fermer frontière ligue avec Haïti au niveau de Belader et précisément dans Elias Pignas et mesure ça yo prend et bien entendu sous demande autorité haïtienne yo et qui estime que yo perdu contrôle ça qui passer sous frontière là et parce que frontière là yo estime que gien en pile trafic qui a fait là gien en pile trafic zam gien en pile trafic balle qui a fait munitions qui a fait stupéfiants qui a fait là pour une fois et autorité estime que yo perdu contrôle et ont demandé à et ministère dominicain défense pour fermer frontière Elias Pignas mais ça pas fini et bien gien président Luis Abinader lundi passé, hein, qui t'a convoqué la presse dominicaine et n'a pas Foutouelle dans l'état, merci.
politiciens, merci. Bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, ton écrasé mot pour mettre foot pété fiel. Et mettre foot pété fiel, peut-être n'a qui te volé. On goût mettre foot pété fiel. Je